Allez, salut à tous. On va un petit peu étudier comment utiliser des allers-retours sans le médiator sur une rythmique assez connue hein, d'un groupe des années 70-80. Allez, c'est parti! Allez, on décortique l'exemple 1. Donc, moi j'ai nommé ça partage du rythme. Hein, après, on le nomme comme on veut. Donc, on a appris à travailler sur les croches en aller-retour. Et là, comme c'est un système de double croche, vous allez voir que l'essence de médiator change. Donc, pour l'exemple 1, ça va donner ça. Donc, respectez bien ce sens de médiator. Vous verrez sur la table pour l'apprendre. Après, on va un petit peu approfondir ça avec le système double croche. Allez, c'est parti. On est parti pour analyser l'exercice 2. Donc, vous regarderez sur la tablature par rapport à l'exercice 1, il y a l'écriture qui change, mais le rythme c'est le même en fait. Donc, comme on a un système de double croche, donc pour le premier temps, ça donnerait ça 1, 2, 3, 4. Ok, donc là on va jouer le 1, pas jouer le 2 et jouer le 3. Ok, c'est pareil pour toutes les autres temps. Donc le deuxième temps, ça va donner ça. 1, lié, 3, 4. Le troisième temps, 1, 2, 3, 4. Et le quatrième temps, 1, 2, on ne le joue pas puisqu'il est lié, 3, 4. Donc observez bien sur la tablature les sens de médiator. Vous verrez, c'est les mêmes. Mais sauf qu'on est dans un système de double croche. Et ça va être le travail d'une future vidéo, vous verrez, où on va étudier la rythmique et le solo de ce super grand titre. Allez, à bientôt.